Merci. Amen. Amen. Je vous donne un bonjour et je vous souhaite un grand jour. C'est le jour que l'Éternel a choisi pour se manifester. Amen. Alors, je lis la parole de Dieu qui dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Élevons tous la voix pour dire merci au bon Dieu, au Créateur, celui-là même qui n'a pas hésité un instant à donner son Fils unique, le Seigneur Jésus, en sacrifice à la croix pour nous et pour tous ceux qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Merci Papa, parce que par chaque occasion, par chaque action, tu nous manifestes ta puissance dans notre vie. Tu nous fais passer par des feux ardents. Tu nous fais passer par des situations difficiles, mais toi seul connais la finalité. Nous mettons notre confiance entre tes mains et nous savons que tu es au contrôle de toutes choses. Béni soit ton nom, à toi toute la gloire. Amen. Amen. On est parti. Moi, tu voulais tout l'avoir après. Voilà. Voilà, c'est lancé. Il est 14h, non? Il est 14h dans une minute. Voilà, on est là. Tu as négocié jusqu'à 30 apparemment. Non, 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 ils ont refusé, ils ont dit 14h. Ah bon? Là, dans 14h, c'est une minute. Comment c'est tout pris? C'est bon. Je suis là. Oh! Mounio est dans l'autre voiture. Oh! Ok. C'est bon. Come on, guys. On est à 14h là, on est déjà là. Les guéris disent, viens mon zien. Viens mon zien. C'est ce que vous dit, non? Non. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'était à vous, la vie, je croyais que j'ai appris ça. Tout là. Ouais, j'avais appris ça le 18 février 1992. Et où les gens avaient des pancartes. Tu te rappelles la date? Oui, moi j'étais encore étudiant, je venais d'arriver. Viens mon zien. Viens mon zien. C'est quoi, il dit là, ma chère? Elles sont fous, c'est vrai. Elle ne veut pas permettre de faire ça.